Ben oui, là, direct en ce mercredi de PVG, on est en sixième, non, ça doit être la septième. Bon, je rends mon rapport de combustion, ça m'a gonflé. J'ai voulu remettre les pendules à l'heure chez Tata, bon ben, elle comprend rien. Pas de ma faute, c'est un modèle 38. J'ai bien voulu parler à Michel, mais il comprend rien non plus. Je suis victime d'ostracisme dans mon gros cuménisme, mais pourtant je suis dans l'humanisme. Tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il y a Tommy, c'était le nom du clébard, Tommy Joe, faire Joe Cooker. C'est comme le 41-82, ça c'était le mariage, pareil. Là ils sont pas prêts. Et puis là c'est mon retour du Jedi. Tu prends un cintre, tu mets un élastique de la poste, le facteur a toujours un, et tu prends une gousse d'ail. Et tu te fais un retour du Jedi tranquille, tout seul. Pas besoin de l'américaine, pas besoin. La science-fiction est une science très exacte. Tout ce que l'esprit humain y pense, ça se passe. Faire mieux de relire un peu des romans d'anticipation, des machins, des trucs à la con. Il y a toujours une drogue dans l'espace. Même la girafe, elle se défonce. Elle prend les fruits un peu fermentés. Il y a tout le monde qui se défonce. Ils veulent vous faire croire que par les cachetons, ça va mieux. Depuis 9 ans que je rebois, j'ai pas pris un cacheton, sauf un mi-odium une fois. Sinon, je fais caca normal. D'ailleurs, je rends mon rapport. J'ai même eu un chat dans le calebut une fois. Oh, la merde. Je croyais que j'avais trouvé ma vierge Marie, mais c'est sûrement pour plus tard. Tu vois, le retour du Jedi. Tontolototo. Tu sais, hein. J'ai envie vraiment d'aller au barreau, pas d'avoir le barreau, c'est d'aller au barreau et de défendre mon curé Jean-Marc. Si ça se trouve, ils ont mis un drone, un troll ou un truc formaté là. Moi, je veux bien le défendre. Regarde, quand j'étais petit, une fois, je me suis fait sucer la bite par un pédé. Bon, un pédophile, on va dire. Bon, c'était mon copain. Bon. Quand je l'ai dit à un moment, ben le beau-père il est calé, il a mis une tarte dans la gueule que j'aurais pas même la prendre, tu vois. C'était simple avant, il n'y avait pas besoin de tous vos formulaires, vos lois de merde et vos conneries. C'est même plus humain là, ce que vous faites. T'as vivement ma révolte planétaire. Bon alors, le wifi partout gratuit, même pour les gosses à partir de 7 ans. Ça c'est la deuxième loi. La première c'est le TPU, Trésor Public Universel. Aujourd'hui, c'est le troisième jour, alors c'est compliqué. Si on efface tout, on recommence. On se sert des erreurs du passé à présent pour préparer le futur. Tu veux tes gosses plus haut, toi? Tu veux que tout soit irradié? Vous allez arrêter de me faire chier sur Terre. Moi, je fais crise de nid, je vous emmerde. Enfin, faut pas dire comme ça, mais les gens du pouvoir, surtout, voilà. Maçonnique sa mère, là. Tous les trucs comme ça, là. Bilderberg, là. En fait, les astrophages, enfin, faut pas dire comme ça, parce que j'ai parlé avec mon copain juif cet après-midi, qui est très ouvert d'esprit, et il dit que, putain, la fille de je sais pas qui, pas de nom, aussi, nouvel ordre mondial, pas de nom, et il dit que Dieu, c'était l'argent. Il m'a dit, ben, j'y parle plus, la grosse conne. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais presque. Il dit non. T'as dit, c'est la trilogie de quintessence. Les trois monothéistes, il y a aussi le bouddhisto-bétain, brahmo-cistercien, protestodoxe, tout ce que tu veux. Maintenant, il faut arrêter d'être con, quoi. Même au patron, j'ai dit, mieux vaut être sous que con, ça dure moins longtemps. Ça permet l'accès en noosphère. C'est la science de l'éther. Et vous comprenez pas ce que je vous dis. Mais c'est pas grave, hein, c'est un don't give up.
N'abandonne jamais, tant que t'es pas crevé, tant que tu respires un peu, tu n'abandonnes pas. Suis pas un... Ouais, je suis un multirécidiviste de l'alcool. C'est pour ça que j'ai plus de métier, parce qu'ils m'ont enlevé mon permis. À cause des fils de pute de la ville à Escrozy. Voilà, pas compliqué. Je vais reprendre du comté, je vais reprendre mon comté. Je fais A et G, ça veut dire du lundi au dimanche. Ça veut dire que je suis Astérix et Grobélix. Que le ciel tombe sur la tête, ça y est, il tombe. Ça fait plusieurs jours. Tu vois, je vais reprendre mon comté. Et même la Corse, là-bas aussi, c'est tombé. Rattaché à la France. Mais putain, mais j'ai honte d'être français. Tellement vous faites de la merde pour du pognon. Le Macron, faut que je pète la gueule, ça, le retour du Jedi. Je suis 4-1. Hein. Voilà. Ça, j'y croyais parce que voilà, dans la science de l'éther. Mais j'y crois toujours. La Vierge Marie est toujours vierge, au moins d'esprit, c'est ça qui compte. Vous êtes tous vierges d'esprit, puisque vous en avez pas. Vous avez l'esprit BHLTV, on dirait. C'est dur l'ostracisme dans l'ocuménisme. L'oncuménisme, non, l'ocuménisme. Le gros cuméniste. C'est pour ça que je chie un bon coup, ça va, ça se passe bien. Je rends mon rapport de combustion à la Terre. Et ça va très bien. J'aimerais bien fumer un pétard, mais bon. Un pétard, voilà, je suis en train de le faire. Envoyé spatial pour t'éternel, c'est à vous, Cognac, j'ai pas. Putain, ouvrez vos yeux, bordel. La vérité est toujours devant tes yeux. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Un gouvernement, enfin un gouvernerait, des médicaments, faut des médicaments vrais. Il faut tout qui soit vrai. Noël, il m'a changé mon titre, tiens. Bon, bah, c'est pas grave, je ne vais pas le rechanger. On verra bien. On prépare le quatrième jour.